Bonjour, je suis Danelle Seka, écrivaine, éditrice également. Je suis auteur de 4 ouvrages qui sont poésie, Une vie morte, le journal de Dodonette, puis enfin, Colonneur de la tradition. Colonneur de la tradition, c'est un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qui nous ramène à une époque ancienne pour redécouvrir cette société africaine-là, pétrie de valeurs culturelles. Et c'était une société aussi dans laquelle il fallait tout faire, sans chercher à comprendre parfois, juste pour l'honneur de la tradition. Et c'est justement ce dont je parle dans ce livre, le titre « Pour l'honneur de la tradition ». Dans ce livre, je parle de la culture akan, notamment Annie Baoudé. Et je parle particulièrement de l'avènement du 10e né et de la Toublin, deux cultures qui sont connues à cette époque. Le 10e né, on n'en parle plus, c'est vrai, mais la Toublin existe toujours. Seulement que les conséquences ne sont plus appliquées. Parce que dans le temps, les femmes qui n'avaient pas fait la Toublin et qui donnaient naissance devaient subir le sort de voir leurs enfants assassinés pour honorer les dieux, pour supplier les dieux. Juste pour l'honneur de la tradition. Est-ce que vous imaginez le supplice d'une femme qui passe par une telle situation? Je vous invite à entrer dans l'émotion de ces personnes-là qui ont vécu à cette époque en lisant cette œuvre-là, disponible dans toutes les librairies.